Bonjour tout le monde, c'est Cindy de la chaîne Tendance Radis. Cette semaine, je fais un petit vidéo plus vlog parce que j'ai envie de vous parler de mon déménagement puis de tout ce qui arrive finalement un petit peu dans ma vie. Donc c'est un peu pour ça que il n'y a pas eu de nouvelles vidéos. Donc je vous explique un peu tout cela aujourd'hui dans ce petit vlog-là. Donc si ça vous tente de suivre le tout, on va parler un peu de ça. Il se passe beaucoup de choses dans ma vie ces temps-ci, outre les nombreuses conférences que j'ai. D'abord, j'aimerais remercier tous ceux et celles qui ont donné ma suggestion au niveau de mes conférences, là, qui m'ont donné en référence. C'est vraiment apprécié, honnêtement, de l'avoir fait. Ça m'a donné beaucoup d'ouvrages au mois d'avril et au mois de mai, etc. Et c'est pas terminé, donc on n'est pas encore rendu au mois de mai, mais je voulais vous dire un gros, gros, gros merci. Actuellement, dans ma vie, je manque énormément de temps. Je déménage donc à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, je quitte la ville de Salaberry-de-Valleyfield pour me rendre dans une nouvelle ville. Et ça implique beaucoup de stress, beaucoup de discussions, changement d'école, toutes sortes de choses. Et à vrai dire, j'ai vraiment un petit peu perdu le fil de tout cela. Qu'est-ce qui arrive au fond, c'est que le déménagement s'est fait super bien. C'est pas fait encore, mais toute la recherche de la vente de notre maison et l'achat de notre nouvelle maison, ça a un petit peu compliqué les choses parce que on a vendu notre maison à l'intérieur de 8 jours. Ça s'est fait super rapidement. Honnêtement, je pensais pas vendre aussi rapidement que ça une maison. Ça m'est jamais arrivé. Donc, c'est la deuxième maison que j'ai en tant que propriétaire. Et la nouvelle maison qu'on achète, ben forcément, dans la ville de Saint-Jean, il faut s'attendre à payer beaucoup plus cher. Donc, du coup, les coûts sont moins élevés qu'à Montréal, mais beaucoup plus élevés qu'à Valleyfield, et on n'avait pas nécessairement prévu tout cela dans notre budget. Ce qui fait qu'on a été avec un compromis. Lorsque j'ai décidé d'opter pour un compromis qui était la localisation, donc quelque chose qui était près des transports en commun, qui était près des épiceries, donc centres d'achat, marché local, etc., pour pouvoir éviter les déplacements nombreux. Et surtout près des écoles primaires parce que mes enfants vont à l'école puis c'est important pour moi. Donc, mon fils rentre à la maternelle. Ma fille est encore au primaire et je voulais absolument que mes deux enfants aient la même école. Ça ajoutait des contraintes à mon choix de maison. Autrement, on voulait avoir une maison qui nécessitait pas trop de travaux. Et la maison qu'on a choisie, malheureusement, avec les frais qu'on doit engager et les coûts, etc., implique forcément qu'on va devoir faire des travaux. Donc, du coup, on est présentement dans toutes sortes de démarches comme de faire des soumissions au niveau du déménagement, par exemple, de faire des soumissions au niveau des assurances parce que on va avoir une nouvelle maison dans un quartier qui est assez prisé de Saint-Jean, donc forcément, c'est pas les mêmes conditions. Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est un secteur qui est considéré comme inondable dans certaines parties, donc on doit composé avec le fait que je voulais pas de maison dans un secteur inondable, donc forcément mes assurances peuvent augmenter aussi. Bref, ça vient ajouter à tout cela. Et on ajoute à tout cela, bon, l'anxiété qui est liée à mon insécurité face à l'inconnu. Parce que c'est une ville que je ne connais pas, je n'ai pas de famille, je n'ai pas d'amis, je ne connais que quelques personnes là-bas et surtout professionnellement, donc c'est pas des personnes que j'ai côtoyées dans ma vie. Et en n'ayant pas de famille là-bas non plus, ça vient vraiment ajouter à mon anxiété face à ce fameux déménagement-là. Donc, la maison nécessite des travaux. Donc, forcément, il faut que je m'attende à devoir le faire essentiellement seul avec mon conjoint, avec les deux petites bêtes au travers des pattes. Mais on a fait le choix de prendre une plus petite maison. Donc, d'aller rester dans plus petit, c'est quelque chose qu'on a déjà fait. Ma première maison, c'était une maison qui avait environ, mon Dieu, elle avait 15 pieds, elle avait 18 pieds par 20 pieds. Ma maison, là, si on met en pied, là, ça nous donnait quand même une surface intéressante sur 3 étages, dont un sous-sol. Mais là où je m'en vais, c'est seulement 2 étages, donc sous-sol et rez-de-chaussée, donc 2 endroits habitables. Et la maison, elle fait exactement 732 pieds carrés par étage. Donc, du coup, on quitte actuellement une maison de 1080 pieds carrés par étage. On s'est rendu compte, lorsque
on a fait la visite de la maison, on aimait la maison, on a dit bon, les travaux c'est correct, on va composer avec ça. Et parce que c'était plus petit, on était super contents parce qu'on voyait l'opportunité d'avoir des travaux qui nous coûteraient moins cher. Parce que forcément, quand tu restes dans plus petit, les travaux d'entretien sont moins chers. Le toit va coûter moins cher à changer parce que la quantité que tu as besoin d'acheter est moindre et le temps que je vais passer à faire ces travaux-là va être moindre aussi parce que forcément, j'ai moins de murs à peindre, moins de murs à changer, bref. Moins de choses, ce qui me permet d'avoir un résultat beaucoup plus rapide que où je reste actuellement, que ça m'a pris 5 ans pour en venir à bout. Puis là, il y a le côté financier aussi, hein, parce que si tu veux avoir tout en dedans de un mois, il faut que tu sois prêt à payer des personnes qui vont t'aider. Autrement, il faut que tu le fasses toi-même ou du moins que tu prévois le coût sur plusieurs années. Là-bas, c'est un peu cela qu'on va faire. Donc, troisième maison, comme je vous le disais, qu'on est propriétaire. Et chaque fois qu'on achetait une maison, c'était un palier financier qu'on visait. Donc, on achète notre première maison, on revend pour avoir plus de sous, pour acheter, pour revendre, pour acheter finalement exactement ce qu'on veut. Mais c'est toujours un compromis. Donc, c'est effectivement un compromis, notre maison, en tout point, très honnêtement. Là où j'ai actuellement découvert un autre bug dans mon déménagement ou d'aller rester dans cette maison-là, c'est le manque de rangement. Dans le sens où on vit déjà du minimaliste, on est déjà des personnes qui ne possèdent pas beaucoup de choses, mais là-bas, il y a un garde-robe par chambre. Soit un petit garde-robe simple dans la chambre des enfants, donc les enfants auront chacun leur chambre, et nous, on a un garde-robe double. Autrement, dans le reste de la maison, il n'y a qu'un seul garde-robe qui est le garde-robe d'entrée, plus un rangement sous les escaliers. Il n'y a rien, rien d'autre. Dans la cuisine, on a quelques armoires, c'est une minuscule cuisine. Du coup, moi et mon conjoint, on a réalisé à quel point on avait du stock. Parce que là, il faut déménager un atelier complet de choses, d'outils, pour que mon conjoint puisse travailler avec. Dans quoi, on ne le sait pas. Moi, j'ai un bureau, du coup, je dois trouver une solution pour mettre mon bureau de travail, mettre le nouveau bureau ainsi que les accessoires qui viennent avec mon bureau et la marchandise, etc. Et on avait un gym à la maison, donc un gym que je me sers à presque tous les jours, qui doit rentrer également dans cette maison-là. On a dû faire des choix qui n'ont pas nécessairement bien passé aux yeux des autres parce que je crois que les gens ne sont pas conscients à quel point c'est petit où on s'en va, honnêtement. Dans le sens que c'est plus grand qu'un appartement, on s'entend. Mais pour quelqu'un qui déménage une propriété complète, c'est on a grosso modo 300 à 400 pieds d'espace de moins d'arrangement. C'est énorme. On a un petit cabanon à l'extérieur, du coup, on a nos vélo, nos trucs sportifs, nos trucs de camping. Et là, ça aussi, ça doit rentrer dans la nouvelle maison, sans compter de nos trucs qui sont liés à nos passions pour les événements grandeur nature, qui nécessitent des costumes qui sont tout à fait différents d'une garde-robe traditionnelle si vous allez dans un camping standard, par exemple. Et là, on est face à tout cela, on doit commencer le désencombrement parce que tu ne veux pas déménager tout ça et te retrouver avec des boîtes en quantité industrielle dans toutes les pièces de la maison et perdre la tête pour t'installer confortablement assez rapidement. Parce que la journée qu'on déménage, il faut savoir que quelques jours après, mon conjoint recommence à travailler. Et moi, mes enfants, puisqu'ils ne seront pas inscrits à un camp de jour ou encore à un service de garde, puisque forcément, c'est des listes d'attente que je n'aurais pas pu utiliser au moment du déménagement, donc ça se fait souvent au mois de février, et au mois de février, on n'avait pas déménagé encore. Bien, je vais voir ça au travers des pattes. Donc, du coup, je veux ranger rapidement mes choses pour me placer le plus vite possible. Et là, bam! On doit faire du tri. Faire du tri dans une maison, on en fait souvent. On en a fait souvent. Moi, je vous dirais honnêtement qu'on approche de la fin de notre tri, mais là, on a réalisé qu'on a encore beaucoup trop de choses. Donc, dans les dernières semaines, j'ai vendu énormément de choses qui sont liées à la cour, qui sont liées aux enfants, qui sont liées à nos activités, énormément d'outils de mon conjoint aussi. Et je vous dirais que ça l'a occasionné beaucoup de conflits au niveau de la famille. Donc, beaucoup de petites chicanes, tu sais, ici et là, parce que dans le sens que tu t'entends pas toujours, tu sais, ton conjoint veut conserver des choses, toi tu veux en conserver d'autres, etc. Mais tu réalises que
tout ça, c'est une série de compromis. Des choses qui valent cher, hein, qu'on a acheté qui valent cher, mais que on réalise que d'essayer de les vendre au plein prix, ben, finalement, on ne les vendrait pas en temps requis. Hein, donc, on déménage en moins de 10 semaines. Donc, forcément, avec le travail et tout, on doit faire ça seulement les fins de semaine avec les enfants. Procéder au tri quand chaque personne, quand on n'est pas conscient de l'espace qu'on a. Donc, moi, j'en ai un petit peu conscience, donc c'est plus facile un peu pour moi. Mais, par exemple, on va prendre mon conjoint. Pour lui, c'est quelque chose qui n'est pas nécessaire, dans le sens où il sait qu'il a des choses, ou beaucoup de choses, à un titre d'exemple, mais pour lui, c'est pas grave de posséder ces choses-là. Au pire, on va les mettre dans un coin. Pour quelqu'un comme moi qui voit ces choses-là prendre de la place, ça devient un facteur de stress supplémentaire. Donc, c'est sûr que, comme je le disais plus tôt, j'ai tout le facteur anxiété qui entre par-dessus cela. Et c'est un peu ça la problématique qui arrive actuellement. Donc, je vais essayer de documenter mon déménagement et tous les événements parce que vous me l'avez demandé sur Instagram et vous me l'avez également demandé sur Facebook. D'ailleurs, je vous invite à me suivre sur Instagram. Vous allez voir, mon Instagram est rendu super mignon. Hein? J'ai fait affaire avec des photographes, puis j'ai pris des petits cours et des petites techniques pour prendre des meilleures photos. Donc, du coup, mon Instagram est rendu cute. Hein, ça me fait du bien à mon cœur. Donc, c'est vraiment ici sur la chaîne que je vais documenter l'ensemble de mon déménagement ainsi que dans mes stories sur Instagram. Donc, si vous ne me suivez pas déjà sur YouTube, je vous invite à vous abonner si ça vous tente de voir comment ça se passe lorsque, justement, on est pris avec des contraintes. Et je vais essayer vraiment de vous documenter ça le mieux que je peux. Donc, au niveau des assurances, au niveau des téléphones, au niveau des coûts qui sont reliés à un déménagement. Hein, on a aussi découvert au niveau de l'impôt qu'il y avait possibilité de sauver des frais puisqu'on déménage pour le travail avec des crédits, etc. Donc, je vais essayer de vous montrer à quel point on va aller chercher des économies. Avec ce déménagement-là et de quelle façon je compte le faire avec le temps. Et je vais vous revenir dans des prochaines vidéos sur le sujet à la manière d'un vlog, comme je l'ai fait là, pas beaucoup de montage. Vraiment, le but, c'est de rendre ça easy, breezy, beautiful. Je ne veux pas copier CoverGirl, mais bon, c'est ça. Parce que je trouve ça plus facile, puis pour moi, c'est plus fun de vous parler comme ça que de faire plein de montage. Ça me permet de vous donner plus d'informations en vidéo. Donc, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire tout de suite. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, merci. Sinon, venez me rejoindre sur Facebook, venez me rejoindre sur Instagram. J'aime vraiment ça, faire des stories. C'est vraiment le fun. Je m'amuse avec cette petite plateforme-là et ce nouvel outil-là. Donc, je vous invite à me suivre à ce niveau-là. Et n'hésitez pas à visiter mon blog, hein, parce que j'ai beaucoup d'informations pertinentes. Et si vous voulez venir me voir en conférence, il me reste des conférences à venir, soit à Vaudreuil-Dorion le 25 avril. Il me reste également une conférence prochainement à Québec. Il me reste également Sainte-Catherine et je serai à Mascouche aussi. Donc, allez sur ma page Facebook pour connaître les événements à venir et vous allez pouvoir venir me rencontrer et me poser toutes vos questions. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente journée puis on va se revoir bientôt sur la chaîne du blog Tendance Radie.